dans cette deuxième leçon qui s'intitule « Éléments de base d'un ordinateur » et dans laquelle nous allons voir, dans un premier temps, la présentation générale d'un ordinateur. Dans cette partie, nous allons voir les différentes unités fonctionnelles qui constituent un ordinateur. Une deuxième partie dans laquelle on va traiter l'unité de commande, c'est-à-dire c'est l'unité qui permet de séquencer l'ensemble des commandes en provenance d'un processeur vers les unités fonctionnelles. Une troisième partie qui consiste à l'unité de traitement. L'unité de traitement qui permet de traiter les données. Donc la commande envoie les commandes et le traitement, c'est pour le traitement des informations. Et une dernière partie, l'unité d'échange, qui permet de s'occuper de l'échange des informations entre le processeur et les différentes unités externes ou les unités périphériques à connecter sur le processeur. Donc, dans la présentation générale d'un ordinateur, nous allons voir les différentes unités fonctionnelles d'un ordinateur qui sont composées de la mémoire centrale, de l'unité centrale ou de l'unité de CPU, et de l'unité qui permet l'échange d'entrée-sortie entre le processeur et les unités périphériques. L'ensemble mémoire, CPU, unité, entrée-sortie s'appelle un système informatique. Donc dans cette partie, on va voir l'élément clé d'un système informatique qui est la mémoire, qui est la responsable du stockage d'informations, du stockage et d'emmagasinage des informations. Le CPU, ou l'unité de commande, ou l'unité centrale, qui permet l'orchestration des instructions ou d'exécution des différentes instructions. Et la troisième, qui consiste à l'échange de l'information entre le processeur et la mémoire centrale d'un côté, et les unités périphériques, ou tout ce qu'on peut connecter sur un système informatique de l'autre côté. Donc le premier élément, c'est la mémoire centrale, celle qui est la responsable du stockage des informations au moment de l'exécution, c'est-à-dire qu'un programme, au moment de l'exécution d'un programme. Donc ces informations sont de deux types, instructions et données, ou opérandes. Donc les instructions et les données constituent ce qu'on appelle un programme. Donc la mémoire centrale, c'est l'élément responsable d'emmagasinage des informations lors de l'exécution d'un programme. C'est-à-dire que lorsqu'on veut exécuter un programme, celui-ci est chargé dans la mémoire centrale et c'est dans celle-ci où s'exécute le programme. Donc un programme est composé d'instructions et de données. Donc il y a une partie programme qui est composée d'instructions et une partie data ou données qui est composée par les informations traitées par ce programme. Donc l'ensemble de ces données ou de ces instructions doit résider ou doit être logé dans la mémoire centrale au moment de l'exécution de celui-ci. Donc cette mémoire centrale est composée en général de cellules. C'est des cases mémoire qui composent cette mémoire. Ces cases mémoire ou ces cellules sont composées de bits ou de mots, selon la terminologie qu'on utilise. Donc un mot est un ensemble de bits, il peut être composé de 8 à 32 bits et qui est accessible par une adresse. Bien sûr, pour pouvoir accéder à une case mémoire, il y a un signal complémentaire qui s'appelle lecture-écriture qui vient de l'unité de commande. Et bien sûr, cette mémoire, c'est en général la partie la plus coûteuse d'un processeur. Donc une mémoire centrale est une suite séquentielle de cases mémoire de cellules qui sont composées d'un certain nombre de bits et ces cases mémoire ont chacune une adresse. Donc l'adresse est envoyée par le processeur. Lorsque le processeur veut, par exemple, écrire ou lire une donnée dans la mémoire, donc pour pouvoir faire une lecture, il envoie le signal, la commande du signal de lecture, il envoie l'adresse de la case mémoire et il récupère la donnée à partir de celle-ci. La même chose lorsqu'il veut faire une écriture, il envoie l'adresse de la case mémoire, il envoie le signal d'écriture et
il place la donnée à envoyer sur le bus de données pour que la mémoire puisse la récupérer. Et bien sûr, la taille de cette mémoire a toujours présenté un grand problème pour les concepteurs, parce que plus la taille mémoire est importante, plus la machine est performante, parce qu'elle peut encaisser ou elle peut loger un programme de grande taille lors de son exécution sans avoir besoin de le découper en plusieurs morceaux pour pouvoir l'exécuter. D'où le fait qu'elle est très coûteuse pour une machine. Il existe d'autres formes de mémoire. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la mémoire centrale. Il y a ce qu'on appelle des mémoires secondaires ou mémoires de masse, qui sont composées de disques, CD-ROM, streamers ou disquettes. Bien sûr, ce type de mémoire sont en général des mémoires externes. Et on dit externe, externe, bien sûr, par rapport à l'unité centrale, à l'unité de commande. Et ils sont en général de taille beaucoup plus importante que la mémoire centrale. Pourquoi? Parce que la mémoire centrale ne peut pas encaisser la totalité des programmes des utilisateurs, donc on est obligé de les mettre dans des mémoires de masse. Donc on les stocke sur des disques, sur des CD-ROM, sur des disquettes, sur des mémoires ZIP, sur n'importe quel moyen de sauvegarde externe pour soulager bien sûr la mémoire centrale, parce qu'elle ne peut pas loger les programmes, elle ne peut loger que les programmes qui sont en cours d'exécution. Donc, le fait d'avoir des mémoires de masse pour pouvoir stocker les informations s'avère vraiment indispensable. Bon, il y a d'autres formes, bien sûr, de sauvegarde de ces informations. Donc, l'autre partie importante aussi d'un ordinateur, c'est le processeur. Il est composé de deux parties: l'unité de contrôle et l'unité de traitement. Donc, l'unité de contrôle, c'est la partie haute, ici, dans le schéma. Elle est composée du registre adresse, qui permet d'envoyer l'adresse sur le bus adresse pour pouvoir communiquer avec aussi bien la mémoire centrale qu'avec les unités périphériques. Le registre mot, qui permet de se connecter sur le bus de données et qui permet de récupérer ou d'envoyer des données vers les unités fonctionnelles. Il est composé aussi d'une partie appelée séquenceur. Ce séquenceur, c'est l'élément responsable du décodage des instructions pour pouvoir envoyer les commandes aux unités fonctionnelles. Il est aussi composé, cette unité de contrôle, par le compteur de programme, qui permet d'orchestrer l'exécution des instructions. Donc, chaque instruction, l'adresse de chaque instruction en cours d'exécution se trouve en général dans le compteur de programme. C'est lui qui fournit l'adresse de l'instruction qui va être exécutée après celle qui est en cours d'exécution. Et lorsque l'exécution, ou plutôt l'instruction, sera récupérée de la mémoire centrale pour l'exécuter, elle est placée dans le registre instruction. Donc, on a le RA est connecté sur le bus adresse, RM connecté sur le bus de données, le séquenceur envoie les commandes aux unités fonctionnelles, le compteur de programme permet d'orchestrer l'exécution du programme en plaçant l'adresse de l'instruction en cours qui va être exécutée sur le bus pour la récupérer, et le registre instruction contient l'instruction en cours d'exécution. La deuxième partie, qui est l'unité de traitement, est composée, quant à elle, par un certain nombre de composants, tels que l'unité arithmétique et logique, qui est responsable de traitement des instructions arithmétiques et logiques, comme son nom l'appelle, donc arithmétique and logic unit. Donc elle permet de faire, bien sûr, les additions, soustractions, multiplications, ainsi de suite. Il y a un ensemble de registres temporaires dans lesquels on peut mettre un ensemble de composants, plutôt de données, qui sont nécessaires pour l'exécution de nos programmes et en même temps qui permet de générer, ou plutôt d'exécuter rapidement nos programmes. Et il y a deux autres parties. Un, c'est le cache. Donc, sur les nouvelles architectures, on a pu intégrer une partie
de la mémoire centrale dans le processeur lui-même pour pouvoir soulager la mémoire centrale. Donc, cette cache mémoire, plutôt cette mémoire cache, permet de soulager la mémoire centrale pour augmenter les performances du processeur. Donc, on a pris une partie, une mémoire de taille plus petite, mais beaucoup plus rapide que la mémoire centrale, et on l'a logée dans le processeur pour pouvoir exécuter des programmes avec des temps beaucoup plus rapides. Et on a un autre registre qui s'appelle le registre d'état, dans lequel il y a un certain nombre de bits, le N, le Z, le V et le C. Le N, ce registre permet de fournir quelques indications sur l'état de l'exécution de l'instruction en cours. Donc, il permet de positionner ces bits qui seront utilisés dans le futur, ou plutôt par des instructions qui permettent de dérouter l'exécution du programme ou qui permettent de placer, de fixer le fonctionnement du processeur. Donc, le bit N, ça veut dire que le résultat de l'exécution de l'instruction qui est dans le registre instruction est négatif. Le bit Z veut dire que le résultat est nul. Le bit V veut dire que le résultat sur la partie entière, ou plutôt sur la partie non signée, a généré un débordement ou une retenue. Et le bit C, ça veut dire qu'il y a une retenue sur la totalité de l'information qui est en cours de traitement. Donc ça, c'est les deux parties qui présentent, ou plutôt les deux parties les plus importantes du processeur. Donc, on a un autre élément ou une autre unité fonctionnelle très importante du processeur, c'est l'unité arithmétique et logique, qui, elle, exécute les opérations d'addition, soustraction, multiplication, division, l'opération est logique ou logique, décalage à droite, décalage à gauche. Donc, toutes les opérations arithmétiques, comme son nom l'indique, ou logique, c'est cette unité fonctionnelle qui permet de les exécuter. Donc, elle est composée par trois registres. Un premier registre, ici appelé accumulateur, qui permet de stocker le résultat. Deux registres en entrée, R1 et R2, qui permettent de loger les opérandes sur lesquels on veut faire l'opération. Et il a une entrée de commande ou une entrée d'opération qui permet de fixer la nature, ou plutôt quelle opération on veut faire. On veut faire un et, on veut faire un ou, on veut faire une division, une multiplication. Donc ici, les opérations sont codées, ils sont envoyés vers l'unité arithmétique et logique. Celle-ci génère le résultat dans l'accumulateur à partir des opérandes. Première opérande qui est alimentée par R1 et le deuxième opérande qui est placée dans R2. Donc les registres, plutôt les registres qui sont en général logés dans le processeur, c'est des unités qui sont beaucoup plus rapides que la mémoire centrale. Ils sont 5 à 10 fois plus rapides que la mémoire centrale. Ils permettent le stockage de certaines opérandes qui sont souvent utilisées. Et bien sûr, ces registres permettent de travailler d'une façon beaucoup plus rapide au lieu que le processeur soit obligé d'aller chercher les informations à partir de la mémoire centrale, parce que nous verrons dans la suite que le processeur pourra récupérer une information dans la mémoire centrale. Il est obligé de parcourir le bus de données avec le bus en appliquant l'adresse via le bus adresse, et il récupère la donnée. Donc, la donnée en parcourant les bus, elle met beaucoup plus de temps à arriver au processeur. Donc, le fait d'implémenter, ou plutôt de loger des registres à l'intérieur du processeur, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et bien sûr, les programmeurs ont l'habitude, surtout ceux qui développent en C, ont l'habitude d'utiliser les registres pour loger les opérandes, ou plutôt les données dont ils ont besoin fréquemment dans leur programme. Donc, ces registres constituent bien sûr la mémoire locale du processeur, et bien sûr, vu que c'est des registres qui sont très rapides, la capacité d'un registre se situe bien sûr entre 1 et 64 bits, avec des valeurs typiques de 8 bits, 16 bits ou 32 bits. Bien sûr, on n'a pas le droit d'utiliser un nombre très important de registres, puisqu'ils sont implémentés dans le processeur, et c'est une technologie très compliquée pour les implémenter. On a affaire à un nombre assez limité de registres. Donc, il y a plusieurs types de registres. Il y a ce qu'on appelle des registres visibles et des registres invisibles. Parmi les registres visibles, on a l'accumulateur, on a
les registres utilisateurs, on a le compteur de programme et on a le registre d'état. Parmi les registres invisibles, on a le registre adresse, on a le registre mot, mémoire, on a le registre instruction et l'horloge. Bon, cette terminologie visible-invisible vient du fait que les registres visibles sont des registres que l'utilisateur ou le programmeur peut manipuler moyennant des utilitaires de débogage ou de mise au point. Donc, comme le débogueur par exemple, ça permet à l'utilisateur ou à l'informaticien de rentrer, voir même le contenu des registres, voir l'exécution des programmes pas à pas et voir le contenu des registres après l'exécution de chaque instruction. Registre invisible vient du fait qu'on ne peut pas accéder à ces registres, qu'on ne peut pas modifier le contenu de ces registres. C'est les registres du processeur ou plutôt du système qui sont utilisés par le système et l'utilisateur en aucun cas ne peut accéder à ces registres pour les modifier ou changer leur contenu. Bien sûr, le processeur, pour pouvoir communiquer avec ses différentes unités fonctionnelles, il a besoin de ce qu'on appelle un ensemble de bus. C'est un ensemble de fils qui permet d'établir des connexions entre les unités fonctionnelles. Donc, le processeur, par exemple, pour communiquer avec la mémoire centrale, ben, il a besoin d'un ensemble de bus pour communiquer avec cette mémoire. Bon, d'où vient le terme bus? Ça vient du fait qu'il véhicule des informations. Donc il amène des informations vers les unités fonctionnelles et il ramène des informations vers le processeur à partir de ces unités fonctionnelles. C'est pour ça qu'on l'appelle bus parce qu'il véhicule des données et c'est un ensemble de fils qui interconnecte le processeur aux différentes unités fonctionnelles. Bon, bien sûr, chaque processeur a un ensemble de bus. Par exemple, prenons le processeur 68000 de Motorola. Il a 64 pins. Donc, lorsqu'on dit 64 pins, 64 pins, c'est le boîtier. Donc, ces 64 pins se répartissent entre trois bus, le bus adresse, le bus de données et le bus de commande. Donc, le bus adresse comprend 24 bits, le bus de données comprend 16 bits et le bus de commande comprend 24 bits. Lorsqu'on fait la somme de l'ensemble de ces trois bus, on retrouve le nombre de pattes du boîtier du processeur. Donc, lorsque vous achetez un processeur, par exemple, Intel ou Motorola ou n'importe quel type de fabricant, donc vous comptez le nombre de pattes qu'il y a sur ce processeur. Ce nombre de pattes correspond au nombre de bits de l'ensemble des bus du processeur. Et bien sûr, quand vous regardez la documentation du processeur ou du fabricant, vous allez voir qu'il les a répartis en trois bus, bus d'adresse, bus de données et bus de commande. Et lorsque vous faites la somme, vous tombez sur le nombre de pattes ou de pins de ce processeur. Donc, si on essaie de voir un peu plus en détail le fonctionnement de ces bus, donc on a d'un côté on a le processeur, de l'autre côté ici on a la mémoire centrale et on a les contrôleurs d'entrée-sortie qui nous permettent de faire ça, c'est les unités d'échange qui permettent de communiquer avec l'extérieur. Donc, pour pouvoir interconnecter le processeur à ces différentes unités fonctionnelles, il utilise les trois bus. Donc, on a le bus de données, le bus adresse et le bus de contrôle. Donc, le processeur comprend l'ensemble des unités fonctionnelles internes qu'on a vues tout à l'heure au processeur. Donc, on a l'unité de commande qui est composée par le séquenceur RA, RM et un ensemble, disons le registre instruction, le compteur de programme. Ici, on a l'ensemble des registres. On a l'unité arithmétique et logique. Et sur certains processeurs, on a aussi le cache. Le cache mémoire peut être interne, comme il pourrait être externe, comme on pourrait avoir une partie interne et une partie externe. Donc le cache est en général utilisé pour augmenter les performances du processeur. Donc ce processeur dispose bien sûr en interne d'un bus qu'on détaillera plus tard, mais ici le bus en question, c'est le bus externe qui permet de connecter le boîtier processeur aux différentes unités fonctionnelles ici. Donc,
Lorsque le processeur veut envoyer une donnée à la mémoire centrale, eh bien, il utilise ici le bus. Donc, il place la donnée sur le bus de données. Il place l'adresse de la donnée sur le bus adresse. Donc, on constate que le bus adresse est unidirectionnel. Par contre, le bus de données est bidirectionnel. Le fait que, bien sûr, le processeur peut lire et écrire à partir ou vers la mémoire, donc c'est un bus bidirectionnel. Par contre, le bus adresse, seul le processeur envoie les adresses vers la mémoire ou vers les unités périphériques. Et on a ici, bien sûr, le bus de contrôle qui permet aussi d'échanger un certain nombre de signaux entre le processeur et les unités fonctionnelles telles que la mémoire centrale ou les unités périphériques. Donc, on a dit que pour pouvoir écrire dans la mémoire, le processeur place la donnée dans le bus de données, il place l'adresse sur le bus adresse et il envoie le signal de lecture ou d'écriture. Ça dépend, est-ce qu'il veut faire une lecture ou une écriture dans la mémoire centrale via le bus de contrôle. Donc, admettons qu'on veut faire une lecture. Donc, il place le bus adresse sur le bus adresse, l'adresse sur le bus adresse. Il place le signal read sur le bus de contrôle. La mémoire centrale passe la donnée sur le bus de données et le processeur la récupère. Si on veut faire une écriture, par contre, le processeur place la donnée sur le bus de données, il place l'adresse sur le bus adresse et il envoie le signal d'écriture sur le bus de contrôle et bien sûr la donnée est écrite dans la mémoire centrale. Bon, la même chose s'il veut lire ou écrire une donnée à partir d'unités périphériques via les unités d'échange ici. Donc, ces unités d'échange d'entrée-sortie, bien sûr, elles permettent de gérer les périphériques. Et on sait que les périphériques sont en général des appareils électromécaniques. Ils sont trop longs par rapport au processeur, ce qui nécessite le placement ou plutôt l'utilisation d'un certain nombre de contrôleurs ou d'interfaces qui permettent de piloter ces interfaces ou qui permettent de piloter ces périphériques. Donc ces interfaces ou ces contrôleurs se situent entre les trois bus et les unités périphériques et ils permettent de gérer ces unités périphériques. Donc il est nécessaire bien sûr de les commander par des contrôleurs qui permettent de convertir ou plutôt de transcrire les signaux logiques du processeur, puisque le processeur travaille en binaire ou en hexadécimal. Donc les signaux envoyés par le processeur sont tous des signaux binaires ou logiques. L'interface les récupère et les traduit en des signaux qui sont compréhensibles par les périphériques. Donc si on a affaire à des périphériques qui sont électromécaniques, on est obligé d'utiliser des contrôleurs et les contrôleurs sont beaucoup plus intelligents que les interfaces. Donc, en plus de la partie logique ou de la partie électronique, la partie binaire des informations, ils permettent de récupérer ces informations, ils peuvent les stocker, ils ont une autonomie en matière de mémoire et ils peuvent convertir les informations en un format qui est compréhensible par la périphérie. Si on a par exemple une imprimante matricielle, ben une imprimante matricielle, elle a un chariot, elle a une tête d'impression matricielle, donc le processeur ne peut pas attendre que cette imprimante imprime par exemple une dizaine de pages. Il donne l'information ou le fichier imprimé au contrôleur et celui-ci récupère, disons, l'information à imprimer, il la stocke, il livre le processeur et il commence à donner petit à petit l'information à l'imprimante qui est beaucoup plus lente que le processeur jusqu'à ce qu'il termine l'impression. Et d'où la nécessité d'utilisation du mécanisme d'interruption qu'on a vu tout à l'heure. Donc, entre le contrôleur et le processeur, ils travaillent avec un mécanisme d'interruption. Et c'est le contrôleur qui permet de gérer le temps de réponse de la périphérie en fonction de sa lenteur, en fonction de ses composants et en fonction de sa composition. La même chose pour un disque dur. Un disque dur, est composé de plusieurs disques compilés. Il a une tête de lecture-écriture. Et bien sûr, le processeur ne va pas attendre que la tête de lecture se positionne sur le bon secteur pour pouvoir récupérer l'information. Donc, c'est le contrôleur du disque qui prend l'information, qui l'enregistre chez lui et
il balaye la tête de lecture jusqu'à ce qu'il localise le secteur, il fait la lecture ou l'écriture, s'il s'agit d'une lecture ou d'une écriture, et le processeur est libéré entre-temps pour pouvoir faire autre chose. Donc, si on essaie de voir un peu plus loin comment fonctionnent ces unités d'échange entre le processeur et la mémoire d'un côté et les unités périphériques, donc je peux avoir un disque dur, ou plutôt un ensemble de disques durs. Si j'ai un contrôleur, bien sûr, le contrôleur permet de gérer plusieurs périphériques de même nature. Je peux brancher sur un contrôleur, par exemple, plusieurs disques. Mais je ne peux pas brancher sur un contrôleur de disque, par exemple, une imprimante ou un autre périphérique. Donc il faudrait que sur un contrôleur, brancher des unités périphériques de même nature. Donc j'ai un contrôleur pour piloter l'ensemble des disques. Je peux avoir un autre contrôleur pour contrôler des bandes. Je peux avoir un contrôleur pour contrôler une ou plusieurs imprimantes. Et je peux avoir aussi un contrôleur pour contrôler des terminaux, des écrans, clavier pour pouvoir saisir et afficher l'information au niveau des utilisateurs. Bon, bien sûr, si j'ai aussi un lecteur de CD-ROM, je peux lui mettre un autre contrôleur, comme je peux, si ce contrôleur permet de les piloter, permet de piloter aussi bien des disques que des lecteurs de CD, on peut le brancher sur le même. Donc ici, on a l'unité d'échange qui est composée par les trois bus et les différents contrôleurs et qui sont liés au processeur et à la mémoire centrale. Et de l'autre côté, j'ai les périphériques. Donc aussi, il y a des unités d'échange qui permettent de faire ce qu'on appelle un accès direct à la mémoire centrale et qui permet de soulager le processeur lorsqu'on a un échange d'informations assez important entre des données qui sont dans la mémoire centrale et une unité périphérique. Dans ce cas, au lieu d'avoir l'assistance du processeur pour faire l'échange d'informations mot par mot, on fait un transfert par bloc, on déconnecte le processeur et on relie la mémoire centrale directement à l'unité périphérique par ce qu'on appelle un contrôleur de DMA. Direct Access Memory pour pouvoir accéder directement à une mémoire de stockage d'informations pour pouvoir laisser le processeur faire autre chose, faire d'autres traitements. Donc le principe de fonctionnement de l'ordinateur tel qu'on a vu jusqu'à présent a été introduit par un certain monsieur qui s'appelle Von Neumann en 1945. Ce savant a introduit deux concepts. Le premier, c'est le programme enregistré, et le deuxième, c'est la rupture de séquence. Donc, dans ce premier concept qui consiste au programme enregistré, bien sûr, le programme, pour pouvoir parler de programme, il faudrait que celui-ci soit rédigé, écrit, et lors de l'exécution de celui-ci, il était indispensable de le stocker dans une zone mémoire qui est proche du processeur pour pouvoir l'exécuter. Parce que si le processeur n'est pas doté d'une mémoire qui va stocker ce programme, ben on ne peut pas parler de programme, on ne peut pas exécuter de programme. Le deuxième concept est ce qu'il a appelé la rupture de séquence ou branchement. Cette rupture de séquence ou branchement permet d'introduire ce qu'on appelle des décisions qui sont logiques, des décisions conditionnelles ou inconditionnelles qui permettent de dérouter l'exécution de ce programme. Donc ces décisions logiques permettent à un moment donné, par exemple, bien sûr parce qu'on n'a pas affaire toujours à des programmes séquentiels qui commencent par une instruction et l'exécution est séquentielle jusqu'à la fin. On a des programmes dans lesquels il y a des boucles, donc il y a des parties du programme dans lesquelles on serait amené à faire le traitement sur un certain nombre de parties pendant plusieurs itérations. Donc on était obligé d'introduire la notion de
rupture de séquence. Et cette rupture de séquence permet, à un moment donné, de faire un test sur une condition ou sans condition, de pouvoir dérouter l'exécution du programme ou l'exécution du processeur vers une autre partie du programme. Et ceci devra se faire sans intervention humaine, parce que dans la première génération de machines, pour pouvoir dérouter l'exécution de la machine, ils étaient obligés de faire des switches pour pouvoir le faire manuellement. Il n'y avait pas la possibilité de pouvoir introduire la notion de rupture de séquence. Et bon, ce n'était pas des ordinateurs, c'était l'équivalent de calculette pour ce qu'on a comme calculatrice actuellement. Donc ce changement ou ce déroutement de programme doit se faire sans intervention humaine en fonction d'une condition ou plutôt par une instruction qui permet de dérouter l'exécution du programme, tout en permettant bien sûr au processeur de pouvoir partir sur une autre partie du programme et de continuer l'exécution. Disons de mettre l'adresse dans le compteur de programme et de pouvoir récupérer les instructions à partir de cette adresse. C'est quoi un programme? Un programme, c'est un ensemble d'instructions qui sont constituées de tâches, un ensemble d'instructions qui permettent de faire une tâche donnée, une application donnée, et qui sont rangées en général séquentiellement en mémoire pour pouvoir les exécuter. Et bien sûr, l'unité de commande ou l'unité centrale récupère les instructions pour pouvoir les exécuter. Donc, le programme, lorsqu'il est chargé en mémoire, donc on l'écrit, on le rédige, on le met au point et on le charge dans la mémoire centrale. Donc, lorsqu'il est chargé dans la mémoire centrale, on récupère, le processeur doit récupérer automatiquement les instructions les unes après les autres. Donc, il récupère la première, il la met dans l'unité centrale, il l'exécute, il s'incrémente, il passe à la deuxième, il la récupère, il la met dans l'unité centrale, il l'exécute, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Donc, la deuxième notion, c'est le branchement. Donc, un branchement en cas de condition ou d'interruption devra être capable, sans intervention humaine, comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, von Neumann a introduit la notion de branchement ou de déroutement de programme, mais il n'avait pas introduit la notion d'interruption. La notion d'interruption est venue plus tard dans la troisième génération. Donc, les interruptions ont été la clé, ou plutôt l'élément de base pour le développement des systèmes d'exploitation. Sans les interruptions, les systèmes d'exploitation n'auraient jamais vu le jour. Donc, un programme enregistré, bien sûr, contrôle le fonctionnement d'un ordinateur. Donc, lorsqu'on dit, bon, un ordinateur, lorsqu'on parle d'un ordinateur, un ordinateur, c'est une machine, c'est un matériel. Il ne peut rien faire sans application. Donc, lorsqu'on veut, par exemple, calculer la paie du personnel d'une entreprise, il faut qu'on ait une application qui fait le calcul de la paie. Si on n'a pas ce programme ou cette application, l'ordinateur ne pourra jamais sortir de résultat. Donc, un programme, c'est lui qui contrôle le fonctionnement de cette machine. Lorsqu'on dit que cette machine est une machine de traitement de la paie du personnel, ce n'est pas le hardware qui définit l'application ou la fonction vers laquelle a été dédiée cette machine, c'est surtout le programme qu'il y a dedans. Donc, un programme est composé d'un ensemble d'instructions. Donc, on a plusieurs types d'instructions. Donc, on distingue trois types d'instructions, ce qu'on appelle des instructions de traitement, des instructions de rupture de séquence et des instructions d'échange d'informations. Donc, les instructions de traitement, c'est les instructions qui permettent de faire le calcul. Addition, soustraction, multiplication, décalage, rotation, toutes les opérations de traitement, de calcul. Les instructions de rupture de séquence sont des instructions qui permettent de dérouter l'exécution d'un programme. Donc, selon une condition ou sans condition, une instruction de branchement, une instruction qui permet le saut à un programme d'interruption ou une instruction qui permet le saut à une sous-routine ou un sous-programme sont toutes des instructions de rupture de séquence. Les instructions d'échange d'informations, quant à elles, sont les instructions qui permettent de piloter les unités d'échange, elles permettent de piloter les unités fonctionnelles externes.
Donc, le programme est composé d'une part des instructions et d'autre part de données. Les données peuvent être numériques ou alphanumériques. Donc, c'est des données qui sont traitées par les programmes. Et bien sûr, on peut avoir affaire à des caractères qui sont traités par des programmes. Et on peut avoir aussi des programmes utilisateurs qui pourraient être considérés comme une donnée pour un autre programme. Bon, par exemple, un programme est une donnée pour un compilateur. Lorsque, par exemple, on veut exécuter, ou plutôt lorsqu'on veut générer ou créer un programme, l'exécutable d'un programme, ben, qu'est-ce qu'on fait? On prend le programme source et on le passe dans un compilateur et celui-ci est traité par le compilateur et il génère un autre programme qui est le programme exécutable. Donc le programme source, qui est un fichier texte, est une donnée pour le compilateur, malgré que pour vous c'est un programme. Donc il prend le fichier source, il le traite, il l'analyse à partir d'une certaine syntaxe qui est propre au compilateur. À partir de cette syntaxe, s'il y a des erreurs, il vous dit qu'il y a des erreurs et il vous génère un rapport d'erreur. S'il n'y a pas d'erreur, ben il prend le fichier, il génère un autre fichier qui s'appelle un programme exécutable et celui-ci est votre programme. Donc le fichier exécutable est un fichier binaire qui est exécutable sur le processeur, qui a été généré à partir d'un fichier source qui est un fichier texte que vous avez rédigé sur votre machine. Donc, toute machine, ou plutôt toute information qui est traitée par l'ordinateur doit être codée. Donc, une information qui va être traitée par votre ordinateur, que ce soit un programme, ou que ce soit des données, ou que ce soit un fichier de données pour un programme de statistiques, toutes sont des informations qui seront traitées par ordinateur et toutes ces informations doivent être codées et doivent être générées par un format qui doit être déchiffrable et compréhensible par le processeur. Donc le processeur travaille par un mécanisme de codage. Donc si l'information n'est pas codée selon le format avec lequel le processeur travaille, ben, il ne va pas comprendre vos informations et il ne pourra pas les traiter. Bon, bien sûr, il existe plusieurs types de codage d'informations. Il y a le BCD, le binary code décimal, c'est le binaire codé en décimal. Il y a le format ASCII. Donc c'est un format qui permet le traitement de fichiers texte. Le BCD, c'est un codage binaire. L'ASCII est un format de texte, surtout fichier texte. Et il y a un autre format, le EBCDIC, qui est un format qui est propre à IBM. Donc les deux sont standards et qui sont utilisables par l'ensemble des informaticiens. Le EBCDIC est un codage propre à IBM. Donc ainsi se termine notre deuxième leçon, élément de base d'un ordinateur. Pour toute information ou pour complément d'information ou pour des exercices, vous pouvez vous connecter au site NetUno et cliquer sur MedNetU pour avoir des informations. Merci de votre aide.